Pascal, bonjour. Bonjour à vous. C'est une vraie fournaise aujourd'hui. Alors, cher mari, où en est-on ? Ça avance. Ce sera réglé pour aujourd'hui. Et où diable est passé Henri ? Je veux l'envoyer me faire 2-3 commissions. Eh bien, il dormait encore quand je suis sortie. Si tard ? Ce paresseux a du sang bleu. Je crois bien qu'il a passé sa nuit à boire. Va donc réveiller ce fainéant. Tire-lui les oreilles, ça lui fera pas de mal. Henri, lève-toi vite. Allez, on a du travail. Merde. Bouge-toi ou c'est moi qui me déplace, espèce de fainéant. Tu entends? Mieux vaut ne pas le contrarier. Debout et vite, ton petit déjeuner est sur la table. Mais qu'est-ce que tu t'es fait? Ne me dis pas que tu t'es encore... Henri, combien de fois dois-je te répéter de ne pas te battre? Mais non, c'est rien. C'est qu'une égratignure. Alors c'est ça, tu as encore joué au chevalier? C'est pas vrai. Il vaudrait mieux pour toi que ça n'arrive pas aux oreilles de ton père. Tu sais bien ce qu'il pense de tout ça. T'en fais pas, il s'est rien passé. Je me suis juste égratigné, c'est tout. Bref. J'espère que tu ne viendras pas pleurer le jour où tu te blesseras pour de bon. Maintenant debout, petite crapule. Tu es dans un bel état ce matin. Qu'est-ce que tu es encore allé fabriquer hier soir ? Rien de spécial. Je suis allé bavarder à la taverne avec mes camarades. Il y avait un voyageur qui nous a raconté les événements de ce monde et... je n'ai pas vu le temps passer. Bon, j'espère qu'il ne t'a pas mis des sottises dans la tête. Eh bien, moi... j'ai l'impression que tu me caches des choses et que c'est lié à la blessure que tu as à la main. Ainsi qu'à cet homme étrange avec une épée qui est arrivé en ville dernièrement. Tu crois qu'il m'apprend à me battre à l'épée, c'est ça? À quoi ça me servirait au village? Je ne te mens pas, maman. Bon, si tu le dis. Ce n'est pas que je veux être indiscrète, mais tu sais que ton père voit ce genre de choses d'un mauvais œil. Est-ce que Mathieu et Fritz se sont passés me chercher? Non, je n'ai vu personne ce matin. On peut les retrouver facilement. Ces deux-là doivent sûrement être en vadrouille dans les tavernes, comme d'habitude. Maman... tu sais, Al, tu es presque un adulte maintenant. Ton père pense à te confier la forge bientôt. Tu fais la cour à Bianca depuis des mois. Tu te sens vraiment obligée de traîner avec ces deux bons à rien? Ils ne vont t'attirer que des ennuis. Papa est fâché que je me sois levé tard? On peut pas dire qu'il soit ravi. Tu lui avais promis de l'aider à finir l'épée du seigneur Radzig. Il ne se fait plus très jeune, et ses vieilles articulations l'élancent encore. Il est trop fier pour se plaindre, mais il a besoin de toi, Henri. Je sais, rassure-toi, maman. Bien sûr que je vais l'aider. Tant mieux. Il dit toujours que ses articulations lui font mal à l'arrivée du mauvais temps. J'espère qu'il se trompe cette fois-ci. On dirait qu'on va avoir une belle journée. Tu veux que je t'aide, maman? Ah, c'est gentil de ta part, mais ça va aller. Va plutôt aider ton père avec cette épée. Je peux avoir quelque chose à manger? Je t'ai laissé un petit déjeuner sur la table. Sers-toi.
Henri, tu vas bien? Quel est ton problème, Henri? Tu ne m'as pas entendu t'appeler? Excuse-moi, papa. Je me promenais et je n'ai pas vu l'heure passer. J'avais comme l'impression d'être ici pour la première fois. Al, mon garçon. Quand est-ce que tu auras un peu de plomb dans la tête? Bref, nous avons du pain sur la planche aujourd'hui. Je vais terminer l'épée pour le seigneur Radzig. J'ai besoin de ton aide. Pourquoi? Il me manque du charbon. Cours m'acheter un sac au charbonnier sur le marché. Il va me falloir de l'argent. Oui, justement. Kunesh me doit encore de l'argent pour une hache, un marteau et les clous que je lui ai vendus il y a un mois. Sans parler de ses anciennes dettes. Va lui dire de me payer pour au moins la hache et le marteau. Ça couvrira les frais du charbon. Kunesh, cet ivrogne? Je vais m'amuser. Ma foi, tu es en âge de pouvoir gérer ça. Sinon, dis-lui que la prochaine fois, je viendrai en personne lui clouer les fesses avec ce marteau et ses clous. Il sera ravi d'entendre ça, aucun doute. C'est tout? Pas tout à fait. Le chambellan du château a la garde en croix que j'avais fait graver pour le seigneur Radzig à Sasso. Tu voudrais que j'aille la récupérer? Parfait. De l'argent, du charbon, la garde en croix, c'est noté. Et de la bière. Sur le retour, arrête-toi à la taverne pour en prendre. De toute façon, je sais que tu vas y aller pour voir ta belle. Mais assure-toi qu'elle soit fraîchement sortie de la cave. Elle s'appelle Bianca. C'est ça. Donc assure-toi que Bianca m'en donne une bien fraîche. Allez, file, le travail n'attend pas.